Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Pierrot. Oh, c'est passionnant. Non, je lis un article, là, Pierre Gattaz, le président du BDF, il vient de déclarer un truc là assez intéressant. Il propose que les chômeurs soient contrôlés journalièrement. Voilà. Tous les jours, on contrôle les chômeurs pour savoir si... Bon, bah, c'est pas bête, monsieur Gattaz. Hein. Je ne sais pas si vous regardez cette vidéo, mais ça pourrait même aller plus loin. Par exemple, monsieur Gattaz, vous leur faites mettre aussi des costumes à rayures. Vous les rasez, vous les faites mettre dans des camps entourés de barbelés. En plus, ça permettrait d'embaucher des gardiens avec des fusils qu'on mettrait tout autour. Pensez-y. Bah, ça s'est déjà fait à une époque. Gattaz, lui, il veut punir les chômeurs. Je sais pas s'il a tout compris, le mec. Ah oui, monsieur Gattaz, j'avais oublié. Autrement, il y a la solution de l'esclavage. Ah bah si, c'est vachement intéressant. Tu prends tous les chômeurs et tu les obliges à travailler gratuitement. Bah attends, au niveau des charges de l'entreprise, c'est vachement intéressant. Ah bah si. En fait, avec Pierrot, il n'y a jamais de problème. Et des solutions. Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Pierrot.